Bonjour. Alors, dans ce tuto vidéo, nous allons voir un logiciel qui s'appelle Tablacus. Donc, je peux le trouver sur plusieurs sites, également sur 01net.com. Une alternative à l'explorateur de fichiers de Windows permet de naviguer dans les dossiers du disque dur ou des autres supports de stockage, bien évidemment. Et on a donc un système d'onglets, un peu comme sur les navigateurs Internet. On peut le rajouter après des modules complémentaires, extraction des fichiers compressés, barre d'outils, etc. Donc je clique sur télécharger ici. Là, je vais faire annuler puisque c'est de la pub. Voilà, à partir de là, il est téléchargé. C'est un fichier compressé que je vais donc extraire les fichiers. Voilà, je me rends dans le dossier téléchargement. Et mes dossiers sont là. Une version 32 bits, une version 64 bits. Et c'est un logiciel portable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation, vous le lancez comme vous voulez. Donc vous avez intérêt à faire éventuellement un raccourci sur le bureau pour le lancer automatiquement. Et ensuite, donc vous avez accès à vos différentes partitions, bien évidemment, les emplacements réseau apparaissent aussi. Et ici, vous avez la navigation par onglet, qui peut vous permettre donc d'aller chercher plusieurs dossiers et de naviguer entre les dossiers plus facilement. Après, c'est une affaire de choix et de façon de travailler. Donc, Tablacus Explorer, retenez bien.